Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Aero, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et on va reprendre les vidéos un petit peu comme on faisait il y a quelques mois de ça, puisque je vais à nouveau vous proposer toutes les semaines une vidéo où je vais vous proposer une activité à farmer pour gagner de l'argent en étant débutant dans le jeu. Cette semaine, l'activité que je vais vous proposer va vous permettre tout simplement de gagner 100 000 dollars par mission, sachant qu'une mission vous prendra environ 10 minutes, donc vous allez pouvoir très facilement vous faire 100 000 dollars tous les 10 minutes. Vous aurez 3 missions de disponibles que vous allez pouvoir faire pour varier le contenu, et en plus d'être très rentable, ce sont des missions qui ont un avantage, c'est d'être tout simplement très sympa à farmer. Ces missions, ce sont les missions Réminiscence, donc ce sont des missions qui sont arrivées avec le dernier DLC. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a 3 missions à faire, et les missions sont Ça part en fumette, Fumette à l'ancienne et Capitale défonce. Pour lancer ces missions, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez au studio de Dr. Dre et vous allez pouvoir tout simplement fumer de la beuh pour pouvoir lancer l'une de ces missions. Mais sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous rendre dans le menu des missions. Donc ce que vous faites Start en ligne, Jouer activité, Créé par Rockstar. Vous allez dans Mission et là, il ne vous reste plus qu'à chercher des 3 missions Réminiscence qui sont disponibles. Ces missions sont extrêmement intéressantes à farmer cette semaine, tout simplement parce qu'elles sont en double dollar cette semaine. Et autre chose qui est très très intéressant, c'est que quand vous n'avez jamais fait ces missions, eh bien, vous allez toucher également un bonus de 100 000 dollars. Ça veut dire que si actuellement vous n'avez fait aucune de ces 3 missions, vous allez pouvoir toucher une première fois 600 000 dollars en faisant les 3 missions. C'est 600 000 dollars que vous allez pouvoir gagner en seulement une demi-heure, ce qui les rend vraiment très rentables. Pour faire ces missions, il va falloir par contre être deux. Il va falloir soit éventuellement vous trouver un ami ou sinon utiliser tout simplement un joueur random pour faire les missions avec vous. Au niveau difficulté, les missions ne sont pas très très difficiles. Elles peuvent un peu surprendre la première fois, mais vous verrez que rapidement, avec un peu d'entraînement, généralement, vous y arriverez sans mourir. N'oubliez quand même pas, surtout si vous le faites la première fois, de tout simplement faire le plein d'encas avant de vous lancer dans ces missions. Ça vous évitera des surprises et de vous retrouver en manque d'encas. Vous verrez également qu'en plus d'être extrêmement rentable et très sympathique à farmer, vous aurez le droit à pas mal de cinématiques assez sympas, dont certaines sont même très marrantes, avec Franklin et Lamar. Et c'est pourquoi je vous conseille fortement de les faire si vous ne les connaissez pas. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ces missions Réminiscence, si vous les avez faites ou si vous ne les avez pas encore essayées. Si vous ne les avez pas encore essayés, je vous conseille quand même fortement de vous y essayer. Vous n'avez rien à perdre et vous allez voir que c'est très très rentable. C'est la fin de cette vidéo et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager comme toujours. Et moi je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo sur GTA Online. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde!